évidemment, c'est la grande attraction de ce match. C'est l'élément qui a marqué le plus de buts sur ce tournoi pour l'instant. On va vivre ça ensemble dans un instant. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés pour commenter la team Dada, évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva, au programme. C'est donc un match comptant pour la phase de groupe de cette compétition, l'Écosse face à la France. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Voyons donc l'équipe d'Écosse. 4-5 ans conventionnel. Conventionnel, mais toujours très efficace si tu veux être infranchissable au milieu. Et l'Écosse, c'est pas encore une grande nation du foot féminin, mais on remarque une progression constante depuis quelques années. Avec quelques victoires de prestige et même une qualification pour le Mondial de 2019, c'était leur première participation. Et voyons la composition de l'équipe de France. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Mbok. Elle va tenter sa chance. Ah, super intervention défensive pour empêcher la frappe. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Grâce Gayoro. Bilbo. Et maintenant Toletti. Superbe intervention dans la surface. Ah non, ce ballon est perdu. Et l'attaque se poursuit, c'est une bonne séquence de jeu. Occasion avec cette frappe. Ballon capté sans problème. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Bon pressing, très bonne récupération. Une grosse opportunité, attention. Très belle frappe, mais de peu à côté.
Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Kusbert. Ballon récupéré dans le camp adverse. Attention la frappe. Ah, le bon réflexe là. Cornea. Attention, il y a le pressing, il faut vite relancer. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Interception réussie, ballon récupéré. Et la possession change de camp. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. Bilbo. Trasqueiro. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Ah, le contre est possible. Weir. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Et les Écossais perdent le ballon. Ah, c'est bien parti. Ouais, la parade. Un corner qui est bien ajusté et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Ouais, bien défendu, sans faute. Chloé Arthur. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, sauf qu'on subtilise le ballon. Oui, c'est bien fait ça, touche à suivre. Grijembok. Bilbo. Un super tacle et ce ballon est récupéré. Un bon appel le long de la ligne de touche. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Une grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc.
Le ballon est capté, pas de problème. Le ballon en touche. Rijembog. Bilbo. Kras Gayoro. Interception décisive dans la surface. Et le contre est possible maintenant. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Ah non, ce ballon est perdu. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Excellent timing sur cette interception. Eh oui, la bonne passe là. Ah non, il est perdu ce ballon. Et c'est bien joué, elle est en bonne position. Et oui, le bon réflexe. Le corner bien tiré, c'est dégagé, aucun problème. La frappe est bien contrée. La projection dans le camp de l'adversaire. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. En fait. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Et le ballon est renvoyé, attention. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Erin Cuthbert. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Un bon contre à jouer peut-être. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ouais, facile, ça passe. Ouais, c'est bien suivi l'action, c'est récupéré en soutien de sa coéquipière. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Et ce crochet pour revenir dans l'axe. Allez, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Oui, le tir. Et voilà, un ballon parfaitement capté. Ouais, c'est une transmission interceptée. Attention au pressing là. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. La possession change de camp. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. Excellente intervention. Pas mal d'occasions créées, de la détermination, des aisances techniques. On sent que l'avantage peut être pris à tout moment dans ce match.
Il va falloir simplement être un peu plus juste dans la finition. Caroline Weir. Ah, le plongeon est nécessaire pour intervenir. C'est bien parti pour ce corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Et c'est une frappe! Le ballon capté sans problème. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Et ici l'occasion pour mener le premier but du match! La domination récompensée! Voilà le premier but mérité! Tout dépend du placement, mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu fais croire que tu vas ouvrir le pied et puis finalement tu joues le premier poteau. Donc au tableau d'affichage. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Et oui, super jaillissement là, on soutient pour récupérer le ballon. Pour aller fixer dans l'axe. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Pas assez de puissance et de précision, le ballon est intercepté. Et l'arbitre indique le corner, il y a clairement la place pour marquer un autre but. Le corner. Et finalement, l'arbitre revient à la faute et donne le coup franc. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et une occasion de contre à négocier. Et voilà un ballon qui est intercepté. Le ballon en touche. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Occasion avec cette frappe. Un ballon bien stoppé sur cette action. Et les Écossaises perdent le ballon. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Malard. Très bien défendu sans commettre de faute. Il y a une faute, l'arbitre intervient et le coup franc est dangereux.
Le ballon sort en 6 mètres. Erin Cuthbert, un ballon dans le couloir avec un peu d'espace. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Malard. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Excellente intervention. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. La défense éloigne le danger sur ce corner. Et le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Il y a un gros pressing. Ballon pour retrouver la possession. Bilbao. La frappe est contrée. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Le ballon perdu, c'est rendu même. À cette distance, pourquoi pas. Tentative lointaine, mais le ballon est parfaitement maîtrisé. Et voilà une passe à l'adversaire. Grâce Gayoro. Delphine Cascarino. Ouais, pas bien joué, mal défendu. Faute. L'arbitre donne le coup franc. Et le ballon change de propriétaire. Chloé Arthur. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Ah, c'est bien défendu ça, le danger maintenant est écarté. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Ah oui, le ballon toujours en sa possession, Chloé Arthur. Et oui, le but du break, le voilà.
ce but si important. Et oui, le savoir-faire, c'est très beau aussi. Regardez, il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action. C'est un but d'intelligence. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Malard. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Arthur, ah, il y a un contre à jouer maintenant. Quatre minutes minimum de temps additionnel. Et les Écossais perdent le ballon. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Bien défendu dans sa propre surface. Et situation dangereuse avec ce pressing. La récupération haute, le pressing est payant. C'est sur la barre, c'est pas fini. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Chloé Arthur. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Bon arrêt, les mains sur le ballon. Bonsoir poteau, un plus pouce vers le haut. Pau Clerlic. Ah, le tir lointain ne surprend personne. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Ah et non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Et donc début de cette première période. Très belle frappe. Bonsoir, merci à toi. Attention la frappe. Ah, le bon réflexe là. Derrière poteau. Oui, la parade. Hey, c'est bien joué, elle est en bonne position. Eh oui, le bon réflexe. Caroline Weir. Ah, le plongeon est nécessaire pour intervenir. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Et ici l'occasion pour mener. Le premier but du match. La domination récompensée. Voilà le premier but mérité. Excellente intervention.
Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Chloé Arthur. Et oui, le but! Le but du break! Le voilà! Ce but si important! Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Quelle occasion, ça passe vraiment proche du but. Si le ballon entre, plus qu'un but d'écart et tout peut changer. Et la récupération du ballon. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Ah non, finalement le ballon est perdu. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. La grosse opportunité, attention! Très bonne défense, sans faire de faute. Gayoro avec Gianni. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. C'est un ballon de contre à jouer. Dessus, c'est très bien joué ce ballon. Le ballon change de camp et donc l'arbitre siffle la faute. C'est un coup franc. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Et la passe est interceptée. À reculer pour ensuite exploser en contre, c'est une tactique à utiliser. Olé, belle technique là. Ouh, l'occasion de revenir. Et c'est le but. La punition pour cette équipe qui refusait de jouer. Maintenant, il va falloir changer la stratégie pour renverser le match. Et oui, à force d'être que sur la défensive, c'est presque normal de se faire piéger dans ta propre timidité compétitive. Et parfois, on pense que dominer son adversaire, ça suffit. Mais regardez, sur une perte de balle, une bonne transition, tu te fais avoir. Ça ne suffit pas de dominer, il faut marquer. Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1.
Tiziani. Oui, ce ballon est intercepté. Ah oui, l'excellent ballon. Oh, il y a encore le feu. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Kusbert. Et voilà un ballon sans problème pour elle. Excellente couverture de balle. Ah, le ballon intéressant. Quelle intervention! Karchaoui. Sakina Karchaoui. Ah non, ce ballon est perdu. Elle a pression pour empêcher la relance. Diani, ouais, la récupération très haut sur le terrain. Kayoro. Ah non, c'est contré. Et le ballon rendu à l'adversaire. Et c'est Kayoro là qui va s'imposer dans le duel. Grâce Kayoro. Et maintenant Toletti. Ah, le contre est possible. Ah, le contre était bien parti mais ne donne rien. Attention pour égaliser. Et l'égalisation, alors qu'ils avaient deux buts de retard, les voilà à égalité. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et pour finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Ah, le jeu reprend, le score est de parité, 2-2. Kusbert. Erin Kusbert. Ouais, c'est une transmission interceptée. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Avec Lisa Evans. Et le contre est possible maintenant. Et la défense peine à redescendre sur ce contre. Grâce à Kayoro. Oui, la parade. Arrêt de jeu. Et donc l'entraîneur effectue un changement. Allez, bien frappé ce corner. Bonne détente sur ce ballon. Et ça sort, nouvelle chance. Un corner qui est bien ajusté.
Et un ballon sans difficulté pour la gardienne. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Ah, y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Tentative lointaine, mais le ballon est parfaitement maîtrisé. Et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Gianni. Avec Melvin Manard. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Toletti. Gayoro. Opportunité pour marquer. C'est raté, l'occasion est manquée. Le triplé n'est pas pour tout de suite. On ne s'attendait pas à une telle performance de sa part. Aucun doute que le troisième va finir par arriver. Il y a un contre à jouer maintenant. Chloé Arthur. Oui, c'est contré. Bonne défense. Malard. Et maintenant Toletti. Renard. Bilbo. Ça joue avec Wendy Renard. Sakina Karchaoui. Ah, les passes s'enchaînent. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Sandy Toletti. La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Arthur. Et les Écossaises perdent le ballon. Et l'option de la contre-attaque est possible. Oh, la frappe au but. Dans les gants, sans souci. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Attention pour mener au score peut-être. Oh, le but incroyable. Quel délire, quelle folie. Comment est-ce possible? Mais comment font-ils? Sauter des lignes, passer directement de la défense à la pointe de l'attaque, c'est une conception du football très pragmatique, peut-être même un peu simpliste, mais c'est légitime et ici c'est très efficace. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Un but extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. Erin Cuthbert. Oui, le tir.
la parade de Perrault Magnin. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et oui, le but! Le match est complètement fou avec cette égalisation, quelques secondes à peine après avoir encaissé un but. La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré, ça empêche la défense d'intervenir correctement. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Et c'est donc une nouvelle égalité, match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Mallard. Allez, la frappe, ça part bien. Intervention réussie sur ce ballon. C'est bien parti pour ce corner. Nouvelle occasion avec ce corner. Ah, le corner bien tiré. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Bonne frappe à mi-distance, mais ça part au-dessus. Ah, les voilà dépossédés du ballon. Ouais, c'est un pressing efficace. Delphine Cascarino. Weir. Ouais, la bonne passe dans la profondeur. Et la défense dégage en corner. Un corner qui est bien ajusté. Intervention sans difficulté sur ce ballon. Oh, ça peut aller au but. Incompréhensible cette action. Le but est étouffé et boum, pelotasso dans le ciel. Effectivement, il y a de quoi rendre fou les supporters. Arthur. Et l'équipe reprend la possession. Keyoro. Et ici l'occasion pour mener. Tentative en force, mais le ballon passe loin du but. Si près du but, c'est vraiment dommage.
ce ballon qui leur échappe. Keyoro, un tir en force, Pepinazo, mais ça part loin du but. Là, c'était plus difficile de rater que de marquer. Ballon rendu à l'adversaire. Bimbo. Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme. C'est peut-être le chaos. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, c'est dedans! Le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable! Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts! C'est le but typique du renard de surface. C'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais, très rarement, de but dehors de la surface. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive. À l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Chloé Arthur, l'équipe part à l'abordage, peut-être l'occasion d'arracher l'égalisation dans les derniers instants. Et voilà un ballon parfaitement capté. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. Ah non, ça va pas du tout cette passe. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Oh, le réflexe! Et voilà, les miracles n'arrivent qu'à ceux qui croient. C'est un corner bien joué, bien frappé. Oh là là, et cette reprise passe assez loin du cadre adverse. Sur ce genre de gestes techniques, si tu n'es pas bien sur tes appuis, le ballon a tendance à partir tout de suite vers le haut. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Oh, le tir! Ça tape la barre, ballon toujours en jeu. Le ballon aurait dû prendre le chemin de la victoire, mais il a décidé de laisser le suspense agir. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Doherty, bonne intervention pour stopper l'attaque. Keyoro. Autour de Karchaoui. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ah, c'était très dangereux, mais c'est une très bonne intervention. Sans difficulté pour la gardienne. Et le ballon manque le cadre sur cette reprise de volée. Bien tenté, mais c'est raté. Le geste est assez manqué. Le ballon a tout de suite pris une trajectoire fuyante.
Ouais, bonne couverture de balle pour temporiser. Très bon timing sur cette interception. À la récupération du ballon, c'est bien fait. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Et la France perd le ballon. Ah, c'est récupéré très haut ça. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Et le contre était intéressant mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Attention, voilà un bon duel. Et oui, but ! Cette égalisation dans les derniers instants, elle vient récompenser leur abnégation et leur force mentale. On croyait qu'il était fini ce match. Et non, une poignée de secondes à jouer et c'est l'égalisation au bout des arrêts de jeu. Quelle émotion, mon petit ! Ah, c'est un scénario inouï. 4 partout avec ce but. Kusbert. Attention à ce ballon. Donné dans la profondeur. Ah, super intervention défensive pour empêcher la frappe. Oui, il y a un peu de champ là sur le côté. Tout le monde le sait, s'il y a un but maintenant, le match est peut-être terminé. Keyoro, un tir en force, Pepinazo, mais ça part loin du but. Là, c'était plus difficile de rater que de marquer. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Grâce Gayoro. Attention pour mener au score peut-être. Magnifique ce contre. Et il faut venir l'aider, attention. Chloé Arthur. Doherty. Attention, le ballon est rendu à l'adversaire. La parade de Perrault-Magnin. La bonne couverture du ballon. Avec un peu d'espace maintenant. Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme. C'est peut-être le chaos. Récupération du ballon. Oui, la belle incursion là. Et ici l'occasion pour mener. Oh, c'est dedans. Le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable. Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus. Et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts. On le revoit, un but dans les arrêts de jeu qui change tout. Et pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale. Et on assiste vraiment à un match historique, plein de buts, 5-4 au tableau d'affichage. L'égalisation est encore possible, il faut évidemment y croire sur cette dernière action. Tir contré, sans difficulté.
a une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision, votre principal défaut. Coletti. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Ah non, c'est contré. Et voilà, l'arbitre intervient, elle siffle la fin du match. Et donc, ça se termine avec une victoire à l'extérieur. Et oui, match très équilibré, mais finalement elle l'emporte grâce à ce petit but. Ça s'est joué à rien du tout. Bonsoir Poto, à un plus pouce vers le haut. Pau Clerlic. Bonsoir, merci à toi. DR Poto. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Chloé Arthur. Et oui, le but! Le but du break! Le voilà! Ce but si important! Et l'égalisation! Alors qu'ils avaient deux buts de retard, les voilà à égalité! On va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing. Attention pour mener au score peut-être. Ah, le but incroyable! Quel délire! Quelle folie! Comment est-ce possible? Mais comment font-ils? Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme. C'est peut-être le chaos. Oh, c'est dedans! Le but décisif! Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Oui, la belle incursion là. Oh, c'est dedans! Le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable!